Bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de Sea of Stars. Il se passe pas du tout des choses bizarres dans ce jeu. On passe d'une ambiance très glauque à... Eh, c'est pas des culs poilus qu'on voit là pas... Ah ouais, c'était inattendu effectivement. Attends, on peut aller là et là-bas? Oh, il y a un changement d'ambiance là. Mais il y a quoi ici? C'est le début peut-être ça. C'est peut-être un raccourci pour le début, je sais pas. Non. Si, c'est un raccourci pour le début, ok. Je reconnais, on avait fait le tour en mode je peux pas monter là et tout, ok. Tu changes de salle, tu reviens ici avec la musique plus cool, ça n'a aucun sens. Ah, mais on a retrouvé la mer. Vous n'auriez pas dû venir, le mal de cet endroit est trop abominable, même pour des guerriers. Je suis victime du dernier affront du Flesh Monster à ce monde. Avant de partir, il a placé une graine du mal dans les profondeurs de cette montagne et m'a attaché ici pour que mes bébés restent à proximité. Quelle horreur. Je suis condamné à les regarder un puissant marché devant moi pour se faire dévorer par l'autre du tourment qui ne cesse de grandir. Et avec leurs esprits innocents et facilement contrôlables, ils n'entendent jamais mes appels. J'avoue, c'est horrible. Tout est lié à la malédiction de cet endroit, destiné à être le repère parfait. Les souvenirs qui sortent au sein de la montagne y restent pour toujours. Des guerriers sont venus, mais dès qu'ils sont partis chercher des renforts, ils ne sont plus souvenus de rien. Si ce n'est d'un sentiment écrasant d'effroi. Mais quel enfer. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est sceller la montagne et ne jamais revenir. Ils n'auraient pas pu faire grand-chose même s'ils avaient préparé une purification. Nous sommes tellement enfoncés dans le repère que la lumière de l'éclipse n'arrivait jamais à toucher l'autre pour le rendre vulnérable. Ouais, il avait trouvé le bon endroit, hein. Votre devoir envers le monde est la priorité absolue. Scellez de nouveau la montagne et partez. La potion de lien mental sauvegarde nos souvenirs, mais elle ne sert à rien pour le combat. Ok. L'amulette devrait résonner avec l'autre, mais la lumière de l'éclipse ne parviendra jamais jusqu'ici. Ok, c'est vrai, il y a un plan. J'ai un plan, allez déclencher l'éclipse. Ok. C'est vrai, a quitté le groupe. On peut plus revenir en arrière. Tu l'as déjà dit, hein, tout à l'heure. Bon, bah, ça a l'air sympa de nager ici, hein. Ça a l'air sympa de nager ici en enfer. On voit rien. Voilà bébé gorille. Oh non, on va pas le voir se faire manger. J'ai l'impression qu'elle est par là. Non, elle est pas là-bas ta maman. Mais on ment pas. Non mais garde-le. Pourquoi tu n'essaies pas de nous manger nous pour voir ça le monstre? Non mais garde-le. Bah non. Non. Bonjour. L'amulette a réagi, je sens l'éclipse. Ok. Bon, on le voit pas manger le bébé gorille, tout va bien. Enfin, tout va bien. Ah, on peut attaquer ses bras aussi. Ok, super. Toujours plus. Oh, ça va pas être les mêmes timings, ça va être chiant.
Oh, ses bras sont vulnérables. Oh, quoi? Mais qu'est-ce qui va être efficace sur tes bras? Mais il n'y a rien qui lui fait de dégâts pour l'instant. Au secours. On doit résister, je pense. Ok, je repars. Oh, ça fait partie d'un des boss du jeu, mais... Ouais, pour l'instant, je prends moins la patience. C'est dur de pas regarder. Moi, sur Stellar Blade, j'avoue. Oh, je comprends rien. Faut juste survivre pour l'instant. Je comprends pas. Bah, je pense, hein. Magie et tout, ouais, voilà, ça sert à rien, il nous faut plus de lumière. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il faut faire au secours? Oh, une cinématique. Oh, c'est classe à chaque fois. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment pas le genre de jeu dans lequel je m'attendais à avoir ce genre de cinématique pour le coup. Je les trouve giga stylés. Oh, en retard, pas tant que ça, ça va en vrai. Ah, maintenant on passe aux choses sérieuses du coup. J'imagine que maintenant je lui fais mal. Pas... Si je commence par là, niveau rythme, c'est mieux ou pas? Le flop. Du coup, je peux reprendre... Oui, ça m'intéresse. Pour faire ça. Ah, c'est mieux, hein, d'un coup. Bah ouais, c'est mieux. Puis là, comme ça, il fera pas son attaque de con, là. Voilà. Oh non, mais les rythmes avec lui vont être chiants. Oh. On a même pas la vie de ses bras, n'empêche qu'on n'ait pas la vie du boss, ok, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Arrête de jeter des gros cailloux. J'ai spammé, je voulais pas faire ça, mais j'ai spammé, hein, vraiment... Ah, ça faisait ça, ok. Bah non, j'aurais pas dû le faire là, j'aurais dû le faire au milieu, ça, je suis bête. On s'attaque le milieu aussi, mais... Je préfère peut-être garder le soin, en vrai. Hein. En vrai... que ça c'est bien aussi, hein. On va quand même faire ça au final. Ah, ça veut dire qu'il y a une main déjà, c'est bon là? Ça veut dire ça? Oui. Ok. Mais après, est-ce qu'il les récupère comme certains ennemis? Je ne sais pas. Merde, putain, vraiment, j'ai du mal. Oh, c'est quoi? Oh, elle a son truc ultime. Qu'est-ce que c'est, l'attaque ultime de Serail, du coup?
Ah oui, le canon de Vespertin, c'est vrai. C'est quoi cette attaque? Oh, c'est stylé! C'est stylé! J'aime beaucoup! Non, on va juste faire ça. Dommage que j'ai pas la compétence pour reculer son compte à rebours là. Parce qu'on a vu là quand il se relève, il récupère ses bras aussi. Hein. Ouais, voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Coup de ventre, il me l'a pas encore fait ça. Aïe. Oh, le compte à rebours, j'ai envie de le garder du coup là. Je serais peut-être obligée d'utiliser là. Hein. J'ai envie de tester ça. On l'a jamais fait, je crois. Bon, je pensais que ce serait mieux que ça. Ça va, son attaque elle est pas trop dévastatrice, ça va. J'ai eu un peu peur. Ah, c'est pas évident. Hein. Oh, le retour de la compétence ultime. Limite, les grenouilles de neige faisaient plus mal. Carrément. Enfin, l'espèce de golem, là. Mais après, il a peut-être une autre attaque secrète. Rappelez-vous le marin fantôme, là, ou je sais plus quoi. C'était pas un boss-boss. Et par contre, lui, il faisait super mal, hein. Il y avait une de ces deux attaques en combo, là, qui... compliqué. À mon avis, là, si je pars pas, je prends beaucoup plus cher aussi. Hein. Je sais pas ce qui m'intéresse. Non, pas tout de suite. Je me dis pas tout de suite. Putain, ils ont combien de vie les bras là? Au secours. Tiens, enlève ton compte à rebours.
Donc là, j'ai du mal l'attaque comme ça. Comme c'est pas du tout les mêmes timings. Ok, il y a déjà un bras de mort. Au secours. Quand même, attendez. Quoi qu'il y a que moi qui ai besoin de soins, donc en vrai... De soins et de PM. C'est plus facile quand il y en a que deux. Surtout quand c'est pas le bras de l'autre côté. Hop. Non, le compte à rebours, on va pas faire tout de suite. Par contre, là, on va le faire. Oh, bah, ça peut être bien, là, en plus. Enfin, je vais me rater, je pense, hein, mais... bah, il est proche de base, c'est trop compliqué. Après, en combo, qu'est-ce... Ouais, en vrai, je peux faire ça, quand même, hein. Déjà, est-ce que je peux refaire? Ouais, vas-y. On gagne du temps. Est-ce que je pourrais le refaire? Non. Là c'est long, c'est quand il revient avec ses bras, hein, c'est horrible. Hein. En vrai ça c'est bien parce que ça attaque tout. Ce qui va pas être compliqué j'ai l'impression, il va juste être long et chiant. Hein. Il lui reste beaucoup de vie, dis donc. Bah en fait on l'attaque pas beaucoup lui directement, on est obligé d'enlever ses bras entre guillemets avant de l'attaquer lui. Du coup la plupart des dégâts qu'on fait c'est les bras quoi. Il n'y a que quand j'ai cette attaque là où je peux attaquer les trois trucs directement ou je l'attaque lui aussi mais... Malheureusement lui il est vulnérable seulement quand il est à terre après qu'on ait défoncé ses bras. Pas ouf, je peux pas... si je peux faire ça à la place. Parce que elle ça sert à rien de lui donner le truc de magie sans magie, ça lui fait pas faire beaucoup de dégâts alors que là oui. J'ai de passer par lui d'abord.
J'ai vraiment du mal sur ce rythme-là. Ouais. Si, je vais me servir plutôt de stérile pour nous soigner pour l'instant. Comme ça, lui, je peux faire ça. Je voulais pas faire ça. Ok, un bras à terre. Vous voulez pas spammer. qu'est-ce qu'elle peut faire déjà elle? Non, c'était pas terrible ça au final. La frappe croisée par contre, pourquoi pas. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi. On va le désorienter après. J'ai assez au moins. Ouais, large. Qu'est-ce qui est dommage, j'ai pas grand-chose à faire là. Hirosazo. Ça va, ça suffit. Parce que putain, là, si ça le terminait pas, ça allait être long. Hein. Ouais, il était pas compliqué. Hein. Il était juste très long. Mais pas compliqué. Au secours. On va vraiment détruire le noyau cette fois? Ça va pas se passer un truc bizarre? Ça a l'air d'aller. Ouais, prêt à libérer la matriarche, ouais. Les petits qui vont arrêter de se faire bouffer, c'est cool. Quelle horreur. Préparer l'observateur ne prendra qu'un moment et son prisme vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Ok. On peut courir autour de l'île maintenant. Ouais, vous risquez plus de vous faire manger maintenant, tu peux courir. Au secours. Allez, dans le chat, vous aussi, essayez de dire trompette chouette le plus vite possible. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sert à rien, mais... ça n'a pas l'air si dur à dire, en plus. Ah mais peut-être que ça va débloquer la zone, ouais, peut-être. Je préfère dire Sophie Fonsec vite perso. Limite c'est un peu plus dur à dire je trouve. Hein. Franchement, je trouve que c'est un peu plus dur à dire. Ah, utiliser bah, la zone secrète, à mon avis, elle est pas secrète. Hein. À mon avis, c'est là où je voulais aller, non? Oui, voilà. Très secrète, la zone. Hein. Il y a le chemin par terre, hein. Bref. Ah, wow, c'était secret. Hein. Cache couverte de mousse. C'était très secret. Hein. Ça faisait 3000 fois que j'essayais d'aller là, en mode, c'est bizarre qu'il n'y a rien d'affiché, là, alors qu'il y a un chemin.
Là, c'est peut-être le secret le plus nul à chier du jeu, par contre. Hein. Oh non, des puzzles comme ça, vraiment? Oh! Ah, ça se retourne comme ça, ok. C'est dans quel sens, ça? La fille qui est comme ça, là, qui tourne la tête avec le truc. Et voilà! On est trop fort. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais pas sûre, je me suis dit, attends, c'est un mur à escalader? Non, c'est le sol. Ah, une conque arc-en-ciel! Let's go, on sait à quoi ça sert maintenant, je suis trop heureuse. Ah mais oui, c'est la fiole qu'on a. Je l'avais oubliée déjà. Bah oui, évidemment. La fiole du temps, bah oui. J'avais oublié pourquoi on faisait tout ça. Oh, wow. Heureusement que le sommeil va revenir normal là, avec la chaleur qui part un petit peu là. Il était temps, hein. Ça commence à se voir que la fatigue gagnait du terrain. On lui ramène comment maintenant par contre? Parce que le portail qu'on a pris... Comment on lui ramène? Faut repasser derrière la cascade et refaire tout. Non. Si. Quoique après, non, le truc, le passage mène en haut tout de suite si on doit faire ça, donc ça va, mais... Y a pas un portail ici? Je peux pas mettre un portail là? Non, je veux pas. Tu veux pas? Moi, je pense que je suis obligée de refaire ça du coup. Hein. Je pense. Parce que ça nous ramenait directement, ouais. Donc, je crois que j'ai pas beaucoup de choix. Hein. Pardon, excusez-moi. Je repasse. Voilà, on passe littéralement dans une chasse d'eau. Hein. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y avait pas d'autre chemin, je crois pas. Hein. Enfin, ça paraît bizarre de refaire ça, mais merde. Il aurait pas parlé d'un portail que j'aurais pas lu. Par hasard. Ah, parce que ça paraît étonnant dans ce genre de jeu de refaire le chemin. C'est très intuitif d'habitude. Donc je pense que c'est moi qui ai pas lu. Hein. Oh non, pas eux, ils sont chiants à affronter en plus. Je pense que c'est moi qui ai pas lu du coup. Hein. Attaque les deux. Et ouais, je réfléchis, mais il n'y a pas. Quand on a pris le portail, on a atterri ici dans l'eau. Donc je pense pas qu'il y ait d'autres chemins. Hein. Je pense pas du tout. Oh, la forme bouclier, ça m'avait manqué, tiens.
Ça va, ça fait pas revenir les ennemis ici. Non, casse-toi. J'ai pas le temps. Bah non, parce que là ça fait... Ah non, mais si, je peux remonter comme ça. C'est bon. Ah mais après attendez, fallait passer. C'était de l'autre côté je crois. Voilà, c'est bon, on a retrouvé assez vite. C'était peut-être vraiment le chemin à reprendre du coup. Hein. Par contre, on va reprendre Garl avec nous. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. C'est encore nous. Ça va. À mon avis, c'était vraiment ça qu'il fallait faire, du coup. La panique, sur le coup. Hein. Ouais, on a la fiole. Semble en effet. Mais nous devons nous assurer que ce n'est pas une imitation. Alors, si j'ai fait tout ça pour une imitation, hein. Garl, voulez-vous bien la lancer contre le mur? Quoi? Mais si on la lance contre le mur et que c'est pas une imitation et qu'on la casse... On aurait l'air con, non? De toute votre force. Mais elle va pas se casser? J'espère que non. Il me rassure beaucoup, lui. Hein. Je suis pas rassurée que le bruit, ça veut dire que ça s'est cassé ou pas? Non? Ah. Ma fiole du temps comme tu as manqué. Ok, il est un peu fou lui. Hein. Merci d'avoir récupéré mon bien le plus précieux. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Vous avez intérêt à remplir votre part du marché maintenant. Finis les missions à droite à gauche. Oh, ne vous y trompez pas, je vous accompagne. Comment ça? Mais t'es le narrateur de l'histoire depuis le début. Pourquoi tu es avec nous? Bon ok, il explique plusieurs histoires et avec ça il pourrait faire plusieurs jeux vraiment, mais... Mais mon code est strict, alors voici les règles. D'abord, je peux vous soutenir en combat mais je ne peux pas gagner à votre place. Sauf que s'il combat avec nous et qu'on gagne alors qu'il a combattu avec nous, ça revient au même. Ainsi je me mettrai au niveau de votre puissance sans jamais l'excéder. Ah oui, ça oui, mais... Une minute, vous allez vraiment... Ensuite, à part vous quatre, personne d'autre ne doit connaître ma véritable identité. Quand vous parlez de moi, appelez-moi exclusivement Rayshan. Et surtout, jamais l'immortel alchimiste. Enfin, le plus important, je ne suis sous aucun prétexte autorisé à affronter un autre. Si une confrontation a lieu avec l'autre du conflit, ce combat sera le vôtre et le vôtre seulement. Aïe, on va vraiment faire équipe avec? Mais... Ça veut dire qu'on verra plus les archives à chaque fin de chapitre. Chapitre entre guillemets. Vous ne pouvez pas venir comme ça, votre robe est en lambeaux. C'est vrai que c'est le seul problème. Hein. Si vous ne voulez pas passer pour un immortel, mieux vaut pas. Vaut mieux peut-être éviter des habits réduits en loques depuis des millénaires. C'est pas faux. Ah ben voilà, ils sont flambant neufs. C'est les mêmes, mais neufs. Ah, l'île Mesa se trouve au nord-est. Celle avec une tête de pierre géante. Je m'attendais pas à ça, j'avoue. J'avoue. C'est le moment du jeu où je me dis, hein? Où l'emote qui charge, là, sur mon stream, c'est ça, en fait, là, c'est le moment du jeu. Ouais, c'est une sorte de voyageur lui aussi, ouais. Attendez une minute. Ouais, quoi. Ce n'est pas tout. Ça suffit, Tix. On gêne pas les nouveaux.
Et là, elle lui fait, mais vous êtes l'alchimiste immortel. Ok. Je vois, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien, mais vous permettez. Hein? Putain, elle a compris vraiment direct. Si vous promettez de ne pas révéler ma véritable identité, je vous raconterai mon histoire. Mais non. Personne d'autre devait connaître son identité. Hein. Vraiment, ça a duré 2 secondes. Hein. On était sur le bateau et puis... Ah mais hé, toi, je te reconnais là, je sais. Monsieur Potion peut rester, bien sûr. Monsieur Potion. L'île Mesa. Ouais, on doit aller là-bas, ouais. Ouais, ouais. C'est à peu près au nord d'ici, une grosse tête de pierre, vous pouvez pas la rater. Attrapez le gouvernail dès que vous êtes prêt. Et merci Arca pour le raid, merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé, que ça win, tout ça, tout ça. Vous étiez sur Valo, je crois, cet après-midi. Coucou As, coucou Sif, coucou Laura, heureux même à ceux que j'ai déjà vus ce matin. Au nord-est, on a dit... Comment il est à la carte? La carte. Nous, on continue Sea of Stars, tranquillement. Tranquillement. Bien passé, mais oui, on n'a pas vraiment gagné. Ah. Ouais, on a tout win, hein, grosse win. Ouais. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok, on doit aller là-bas. Oh, ça... oh putain, pour piloter le bateau, c'est vrai que c'est quelque chose ici. Hein. Jeu de dingue, Sea of Stars. Vraiment. Là, pour situer ceux qui connaissent le jeu, on vient de faire l'hôte du... Je sais plus son nom. On a sauvé les gorilles après le pic du tourment. En plus, il y avait vraiment... J'adore ce jeu, hein, parce que vraiment, on était dans une ambiance oppressante et tout, machin. Et d'un seul coup, ça, on change de zone et on fait... Eh, mais c'est pas des culs poilus qu'on voit, là? C'est en mode... Hein? Quoi? On a changé de jeu ou... Bien passé, oui, mais on n'a pas vraiment gagné. Une win, 3 lose. Aïe, aïe, aïe. En vrai, il y a au moins une win. T'imagines, c'est pas non plus... sinon, au secours. Non, au secours. Oh, on va se diriger par là. Je sais pas trop où aller. Je pense que ça va me sauter aux yeux. Hein. Visiblement, ils avaient dit... Il y a une tête énorme. Ça doit être là, je suis sûre. Hein. Oui, voilà, ça doit être là. Hein. Ouais, celle-là. On peut pas aller? Randonnée sur la Mesa. Après, le principal, c'est si vous êtes amusé un minimum quand même. Pourquoi je peux grimper là s'il y a rien? Ça me stresse, hein. Ce jeu est tellement beau par contre, vraiment, je m'en lasserai pas. Hein. 150 ans devrait suffire. Rebonjour, Cucar. Vous êtes venu voir mon travail? Comme vous voyez, je n'ai pas failli. Ouais. Pas dire ça comme ça, hein. L'eau a beaucoup monté, combien de temps ai-je dormi? Là n'est pas la question. Aeforul est parti il y a longtemps et ses acolytes ont perdu presque tout leur pouvoir. Ce n'est pas prêt de recommencer. Ces gens sont tes amis, ok. C'est facile de se faire des amis dans le jeu, hein. On vient de le réveiller là, avec une fiole du temps et paf, ces gens sont tes amis, voilà. Vous pouvez nous aider, ouais. La principale mission est de maintenir l'île Mesa à cette altitude précise. Tant que ça n'entravera pas mon travail, je me ferai un plaisir de vous rendre service, mes amis. Je dois avoir connaissance du château maléfique.
Ce n'est pas un endroit pour envoyer des amis. Non, mais on n'est pas amis. Il faut quand même que nous y allions. Je n'enverrai pas d'amis courir un tel danger, je refuse. Tout ça pour ça. Allez, ouvre! Il va nous présenter en disant qu'on n'est pas ses amis? Si c'est ça, vraiment... bonjour, Kukar, ouais. Vous êtes venu voir mon travail. Ça va vraiment être ça, hein. Comme vous le voyez, je n'ai pas failli. Ouais. Ces gens sont des aventuriers chargés d'une mission très importante. Ils requièrent ton aide. Non, mais vraiment, secours. Réessayer, non, mais... La même chose, bah oui. On n'est plus amis. On est des aventuriers. Salutations, aventuriers. Oui, on a rencontré tes frères, Ixtol et Tej, oui. Ok, ça a l'air utile. Ouais, mais on n'est pas là pour ça, effectivement. Mais ça va être utile pour retourner à l'endroit qu'on voulait l'autre fois, là. Au moins, il faudrait que vous enleviez la barrière sur l'île. Je vois, mon moment, s'il vous plaît. Non, mais voilà. C'est aussi pour ces trucs un peu cons que j'adore ce jeu. Hein. C'est vraiment... J'aime trop. Faut que je change de l'heure, moi, c'est vrai, avec tout ça. Hop. Ah, mais voilà pourquoi on pouvait monter là, du coup. J'ai ma réponse. Et voilà, ouais. Et bah, merci, hein, Kukar, merci, hein. Ça n'a aucun sens. Attendez, non, pas ça. Il est avec nous, mais il a ouais, quelques trucs quand même sur lui, mais ouais, pas grand chose. Hein. Tiens, j'ai que ça à te donner. C'est un peu triste, mais... Regardez, il nous regarde du coin de l'œil quand on grimpe. Il nous suit. Oh, mais il nous suit du regard. Oh, c'est un peu cringe, hein. C'est terrible, secours. J'ai pas su détacher mes yeux de son regard, c'était très particulier. Ok, colline automnale. T'en viens de passer un truc vraiment style hiver, enneigé et tout, puis là, ça va être trop beau encore. Ça va être trop beau, je sens. Oh, la musique est cool, hein. Allez, des nouveaux ennemis du coup. Ok, ça leur fait des dégâts mais vite fait quand même. Je peux faire ça, ça me va. Il a quoi lui du coup? Dégâts arcaniques en rassemblant les ennemis. Ouais. Une brume apaisante soigne le groupe. Oh ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Je peux aller là? Je peux aller. Il y a quoi là-bas du coup? Je peux rien manquer et...
Ok. Armure en chaîne, ça va être bien pour qui ça? Voilà. Mais peut-être que je peux... Non. Pas intéressant ici. Non plus. Bon, j'imagine qu'on va recruter encore quelqu'un vu qu'il reste de la place dans l'équipe. Il reste une seule place. J'imagine que... On aura encore un nouveau personnage. Non mais regardez la vue derrière là, j'ai encore envie de screen et de mettre un faux d'écran. Hein. J'en peux plus. Bam. Faut juste... Non. Putain, j'avais pas vu que je pouvais m'accrocher. Je me suis dit, bon, on y va au pif. Il y a des trucs en bas, je veux les trucs en bas. Voilà. Je peux pas grimper comme ça, là. Oh, c'est... Non, là, je peux juste faire ça. Ouais, j'allais dire, je pense que je dois débarrasser tout ça. Mais par contre, ça me paraît complexe. Ah, ok. Ouais. Il n'y avait pas besoin de mettre les 4 en même temps, quoi. Voilà, ça marche même pas. Ça marche pas. C'est le buisson? Il était pas dessus, hein, vraiment. Le jeu, il ment. Hein. Et reprendre. Oh, on a appris la compétence lune arcanique. Le grappin. Enfin, le grappou, pardon, le grappou. Enfin, me tromper. Merde. On attaque qui? Mouais. Mouais. On va essayer ça. Heureusement qu'il reste pas, hein. Ça ferait beaucoup. Hein. Un peu mieux que tout à l'heure. Toujours en apnée, bien sûr. La technique, être en apnée. Oh ouais. Ça attaque les deux, ça. Vas-y. Hein.
C'était pour faire quoi ça? Bon, juste ça. Ok. Il y a quelqu'un en dessous. De toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix d'aller en dessous. Hein. Bonjour. Un marchand, quoi? C'est perdu un peu, non? Certains disent que c'est pas un bon endroit pour installer une boutique. Ben... Mais... Je suis d'accord avec ces gens-là. Non mais tout m'intéresse, mais j'ai pas de thunes. Je veux ça. Ça coûte combien? 104. Ça va être long, hein. Il y a des plats que j'ai dit je m'en foutais, mais non, que ça a rapporté vraiment plus grand-chose. Je vais les vendre, hein. Je crois qu'on les a quasiment utilisés, en fait. Hein. Ça c'est bien, voilà. Ça, on s'en sert plus, vas-y, vends. Ça, pareil. C'est bon, j'ai assez, non? Ouais, j'ai assez. Voilà. Oh, plus 12 PM. Oh, c'est bien, ça. La thune manque dans ce jeu. En vrai, sa boutique, elle est bien. Hein. C'est juste qu'il est mal placé, mais sa boutique est très bien. Ouais, les parades, des fois, voilà. Hein. Là, c'est bien si ça les réunit, que ça les laisse réunis, par contre. Ouais, c'est pratique, ça. Hein. Pour moi, avoir les bons timings pour le Lunarang, là, et aussi pour l'orbe solaire, en vrai. Combien de PV? Tout ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On est d'accord, je peux pas y aller. Je pourrais y aller à un autre moment. Là, ça fait grand-chose de grimper dessus. Je pense que c'était pour ramasser ça surtout. Là on fait ça. Je peux le pousser ça. Effectivement. Effectivement. Ah, mais c'est comme ça que j'ai le trésor aussi, attendez. Non. Il était ici. Ça c'est pour lui. Hop, on met ça là. Je sais pas pourquoi je veux revenir là à chaque fois. Au secours. Attends. Y'a rien en bas? Non, y'a rien en bas.
qu'il n'y a rien d'autre. Merde, je voulais pas faire ça. Mais... Non, remonte. Remonte. Je veux regarder trop de trucs. À chaque fois, je me dis, il n'y a pas un truc là-bas. Et là, et puis là, et puis là. Merde. À force de m'éparpiller. Mais il y a un truc là, mais il y a un truc là-bas. Là, c'est juste un coffre. Je veux le coffre. Oh, les cons carconciels, le retour. Genre là, je commence par lui, je les rassemble. Comme ça, ils se mettent tous au même endroit. Ils sont beaucoup quand même. Hein. Boule de neige. Bon, elle est bizarre ta boule de neige, hein, ici, par contre. Non, je voulais pas attaquer, non. J'ai spammé. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête de spam, hein, vraiment. Oh, j'ai pas le truc en plus, là, trop nul. Pas, j'attends de consulter d'urgence. Mais oui, mais du coup, j'ai fait une attaque dans le vent, on va dire. C'est pas du tout l'attaque que je voulais faire à la base. C'est con. J'ai raté beaucoup trop de parades, je trouve. Alors que là... On va attaquer au moins eux, là. Putain, mais il meurt jamais. Qu'est-ce qu'on a comme combo avec lui? Je vais essayer. Bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, hein, le combo avec lui, en vrai. En vrai, c'était plutôt sympa. Au secours. Ah, y a un truc là. Très là. Nos recettes, let's go. Il y a un truc là, non? Non, je suis folle. Comment c'est fatigué, moi? Je vois du loot partout, des trucs à récupérer partout alors qu'il n'y en a pas. Non, le jeu ne fait pas tout le temps full cadeau, faut se calmer. Par contre, il y a full fruit de mer, hein, vraiment. Un vrai plaisir. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va faire ça. Ça peut être utile. J'ai attaqué avant quand même, ça va. Ça me va très bien.
Pas un endroit pour toi. Ouais, l'endroit plein de fruits de mer, ouais. Vraiment, depuis, depuis tout le stream aujourd'hui, les fruits de mer sont à l'honneur, donc... Vraiment... D'ailleurs, si tu vois la tasse avec l'eau de mer, ça agit sur ta thyroïde. Ben, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas trop grave, mais bon, c'est, ça peut agir, effectivement. C'est pas très conseillé non plus. Je peux déjà pas boire l'eau du robinet avec ma thyroïde, alors imagine l'eau de mer. Même ma cafetière, hein, c'est de l'eau en bouteille dedans, hein, c'est pas de l'eau de robinet, hein, c'est... les rassembler toi là si tu peux histoire que l'orbe solaire touche les trois quand même. Ah bah ça en fait mourir un. Ah, ok de PV lui. Je veux pas mourir s'il te plaît. Il lui reste 4 PV je crois. Au secours. On peut pas monter là sur les pics? En vrai ça a l'air sympa non? Non. J'avais dit que je vais pouvoir grimper quelque part, c'était sous mes yeux, hein. Vraiment, je le voyais pas. Hein. Secours. On dirait qu'il y a un truc, genre un passage là, mais non, ça m'a perturbé un peu. Rassemblement. Je pensais qu'elle allait faire la même attaque que l'autre en fait, mais non. J'ai été nul, hein. Il est un peu raté, mais ça va. Il y avait des ennemis cachés. Allez, rassemblement. On regroupe tout le monde, s'il vous plaît, merci. Hop. Ouais, l'attaque boule de neige. Ça, c'est la neige, mais après, que les voitures ont circulé et tout ça. La neige dégueulasse, là. Je reconnais, hein. Je reconnais. Putain, il manquait pas grand-chose pour le tuer, au secours. Hein.
On va tenter là plutôt. Ouais. Allez, meurs. Je sais pas combien de PV il lui reste, mais je pense que je regarde, je pleure. 18. Il aurait pu faire un effort. Hein. Oh, la vue derrière encore une fois, mais regardez-moi ça. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau. Ce jeu vraiment, mais c'est beaucoup trop beau. Bah voilà, on a une petite save, on a bien avancé. Je pense que c'est là qu'on va se laisser pour aujourd'hui. En tout cas pour cet épisode. Et donc je vous fais des bisous YouTube.